Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve dans mon appartement étudiant. Alors oui, c'est pas du tout mon décor et comme vous allez le voir dans cette vidéo, on va ouvrir une chaise gaming de la marque Auraxit. Ils m'ont envoyé un putain de siège, plus de 400 € et je pense que ça va être le meilleur siège que je n'ai jamais reçu. Honnêtement, très honnêtement, on va s'attendre à du lourd les gars. Ah, est-ce que vous aimez la déco? Bien sûr, tout n'est pas rangé, genre par exemple on voit les prises ici, mais j'ai fait quelques petites décorations dont ça, voilà, ça et ça. Voilà, je me suis un petit peu amusé, j'ai acheté de la déco et là quand je parle, et bah voilà, ça change de couleur, enfin ça fait des trucs excellents. J'ai mis une télé avec des clips qui tournent en fond et puis j'ai eu une LED aussi assez intéressante qui change de couleur en fonction de l'image et c'est plutôt pas mal. Vous allez voir un petit peu, là par exemple. Et je remercie du coup Goovy qui m'ont envoyé des LED RGB et ce qu'il y a derrière la télé actuellement. C'est vraiment excellent. Alors voilà le colis avec la chaise. Alors il est énorme les amis. Vraiment, ça va être une galère pour moi à le monter je pense. Donc écoutez, on va s'attaquer tout de suite en fait, tout simplement. J'arrive pas à parler. On va changer de plan et puis vous allez me regarder monter tout ça et galérer un petit peu. Et puis c'est parti pour l'unboxing. Ok, bienvenue les amis. Donc toujours pas de micro-cravate, du coup on va se contenter des petits écouteurs. J'espère quand même que le son est bon, normalement ils sont bons. Donc c'est parti, on ouvre le colis. Il est un petit peu sale parce que je l'ai stocké dans ma grange. J'avais tellement plus de place les amis que j'étais obligé de le stocker dans ma chambre, enfin dans ma grange pardon. Donc je l'ouvre doucement. Ce couteau est très efficace hein. C'est pas le mien mais il est très efficace. Et voilà. Donc on peut voir quand même que c'est un gros colis. Il est assez grand, assez gros. Ouais, voilà. On a vraiment un truc quali de fou les gars. Oh putain, j'aime trop quand c'est brodé comme ça, j'adore. Vraiment, que ce soit sur des chaises, sur des vêtements, sur... j'adore. Je trouve que c'est un gage de qualité. On va déjà sortir ça, évidemment. Le dossier de la chaise. Voilà, juste ici. L'assise. Et là, on a plein d'accessoires. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un truc de fou, comment c'est lourd. Ah ouais, j'ai jamais vu une texture pareille sur un siège. Ça va être incroyable. Un mélange de cuir et de velours. Ça va être super beau. Ah, il coupe vraiment bien ce couteau par contre. Hein. Et on a ça, donc je pense que ce sont les vis, les outils qui vont avec. Par contre, s'ils n'ont pas mis les outils avec, je ne pourrais pas le monter. Vu que j'ai pas d'outils chez moi ici, là encore. J'ai meublé en une semaine, je pense. Et j'ai assez galéré, honnêtement. Il était non meublé. Et je vous ferai sans doute une vidéo si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse. Je ferai une vidéo dédiée à mon appartement. J'arrive même plus à parler. J'ai très hâte de voir comment ça va rendre. Écoutez, ce que je vous propose les amis, c'est que je le monte tout de suite et puis que je reprenne la vidéo une fois qu'il est monté, parce que je pense que là ça va pas être intéressant de me voir rager. Ça pourrait en faire rire certains, mais je pense qu'il est préférable de couper la vidéo et de reprendre une fois qu'il est monté. Donc à tout de suite. Ok les gars, donc j'ai donc fini de monter ce siège et j'en peux plus, je suis fatigué, je n'en peux plus les gars. Mais honnêtement c'est parce qu'aujourd'hui j'ai pas trop d'énergie parce que sinon il s'est monté assez vite. Il n'y avait vraiment pas grand chose à faire. Alors typiquement il fallait juste enclencher les roues, visser l'assise et le siège ensemble. Donc il y a 4 vis à mettre pour ça. Et ensuite visser le socle au siège et il y en a pour 4 vis. Et on doit juste mettre les caches après et puis c'est bon. Donc voilà le résultat. On a quand même un siège incroyable. Je trouve qu'il est quand même incroyable. Et la qualité, je n'ai jamais vu un siège aussi bien détaillé que ça. On a vraiment tous les détails sur les côtés. Vous voyez, ça change en fonction de la partie du siège. Enfin, vraiment, le détail y est. Ça se voit que tout est nickel. Ça, c'est en velours, c'est incroyable. Et il y a une option dingue, les gars, c'est ce bouton. Au début, je me suis dit, mais à quoi ça sert? Eh bien, regardez bien quand je tourne ce que ça fait. Pas beaucoup, mais en fait ça gonfle le dossier et ça, ça évite de mettre des coussins qui se défont tout le temps. Et quand vous passez longtemps sur un ordinateur, vous savez que vous avez un peu mal au bas du dos, et bah là ça peut un petit peu corriger le truc et vous pouvez mettre ça à votre guise. Moi je le trouve incroyable les gars, je vais clairement l'utiliser dans mon appart tout le temps parce que vraiment sinon bah j'avais ça. Je l'ai quand même fait, hein. Franchement, je dénigre pas parce que c'est moi qui l'ai fait, c'est quand même beau. Hein. Mais merci à Auraxit de m'avoir envoyé, vraiment, bah, pour moi c'est la meilleure chaise que j'ai jamais reçue. Par contre, elle coûte assez cher, mais après, je comprends pourquoi, parce que la qualité est derrière. Enfin, vraiment, je ne suis pas du tout déçu. Elle est vraiment très belle. Voilà ce que ça donne assis dedans, et franchement, j'aime bien. Enfin, c'est incroyable. Il y a les manettes un petit peu classiques qu'on retrouve sur pas mal de chaises, juste en dessous ici. Je ne sais pas comment on les utilise. Moi, perso, j'ai même pas ça, en fait. J'ai juste un levier comme ça pour pouvoir reculer.
et c'est incroyable, on est vraiment très bien dedans. Franchement, j'adore. Merci beaucoup à Aurati de m'avoir envoyé cette chaise. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas le cas. Enfin, du moins, si c'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton s'abonner. En tout cas, nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était JX.